Hello YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo technique sur le Steam Deck puisqu'on m'a demandé tout récemment si les volants étaient compatibles avec le Steam Deck. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, il a fallu que je prenne un peu le temps de mettre en place techniquement parce qu'il y a des fils partout. Je précise également que si vous n'avez pas encore vu sur la chaîne de vidéos sur le mode bureau relié à un écran, c'est tout simplement parce que j'ai des problèmes techniques. J'ai fait un test il y a quelques jours où ça fonctionnait nickel. Et au moment de vouloir de le faire quelques jours plus tard, bah, ça fonctionne plus. Mon boîtier d'acquisition vidéo disparaît quand la source provient du Steam Deck. Donc faut que je règle ce souci. Je ne sais pas pourquoi ça marchait et ça ne marche plus. Et en attendant, c'est la raison pour laquelle vous voyez en fait une capture fait au téléphone de mon écran de Steam Deck. Donc on va quand même tenter de répondre à cette question, est-ce que les volants sont compatibles? Donc je précise que lorsque j'étais en mode bureau, j'ai tenté tout à l'heure de vous faire une vidéo en mode bureau sur le Steam Deck, puisque ça ne fonctionnait pas en mode capture avec le boîtier d'acquisition. J'ai tenté de vous le faire en mode bureau. Et j'ai rencontré d'autres soucis. Je précise que au même moment, comme par magie, j'ai des soucis de clavier-souris lorsque je switch mon hub soit vers le PC, soit vers la Steam Deck pour pouvoir utiliser mon clavier et ma souris pour les deux. Le Steam Deck ne les reconnaît plus instantanément. Ça peut être long. Ça peut être quelques minutes même. Parfois, je suis obligé de redémarrer pour qu'il voit la souris et le clavier. Au final, ce que vous voyez là, c'est Forza, mais en mode Steam Deck, donc avec qui a été démarré sur la console en mode console, pas en mode bureau. Et j'ai branché lorsque j'étais en mode bureau. J'ai branché et j'ai mon volant sur le hub relié au Steam Deck, donc normal, et j'ai redémarré. Mon volant fait bien les réflexes habituels qu'il a lorsqu'il reçoit un signal. Donc il se calibre de gauche à droite plusieurs fois. Donc ça a fonctionné. J'ai donc décidé de lancer Formula One F1 2021. Je précise également que j'ai eu des petits soucis avec Forza Horizon 5, mais je préfère pas me prononcer dessus parce que comme par hasard, il était en train de faire une mise à jour au moment où j'ai voulu l'utiliser. Ça n'empêche qu'il aurait dû arrêter la mise à jour et me laisser jouer à la version non à jour, mais ça a bloqué, donc j'ai préféré me mettre sur F1 2021. Et du coup, j'ai branché tout ça, j'ai essayé de me faire une configuration. Je suis allé reconfigurer le volant. Et du coup, vous pouvez voir que un Steam Deck sous SteamOS, c'est-à-dire sous Linux, voit mon volant Thrustmaster. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir me prononcer pour les possesseurs de Logitech ou les possesseurs de Fanatec. Là, je parle uniquement pour ceux qui possèdent un Thrustmaster. Moi, j'ai un T300 RS. Le volant tourne, il a de la résistance. Il y a malgré tout, j'ai quelques doutes dans les sensations. Je vous explique. Là, je n'ai aucune vibration dans le volant. Donc, j'ai une certaine résistance lorsque je tourne et que j'accélère, mais la résistance est la même en fait. Que je sois à cette vitesse pour tourner, c'est dur, c'est aussi dur. Ça me rappelle un petit peu, ça va peut-être pas du tout vous parler, mais à une certaine époque, vous pouviez brancher un volant Thrustmaster PC qui n'était pas prévu pour, vous pouviez le brancher sur une PS2 ou une PS3. Et vous pouviez jouer à Gran Turismo par exemple. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien qui était fait pour ce même volant et il faisait que de bouger
de bouger de droite à gauche. Au démarrage, il fallait le tenir avec une force phénoménale. Et en course, c'était digne des Formule 1 des années 80. Très très dur, quel que soit le virage que vous prenez. Donc là, il n'y a pas de sensation. Ça peut être très dur à tourner. Mais en fait, le retour de force, vous voyez qu'il n'est pas du tout calibré dessus. Je pense honnêtement que certains joueurs ont réussi à rendre leur volant compatible. Mais je pense que ce sont ceux qui bidouillent le plus. Moi, personnellement, quand je vois si peu de choses reconnues, alors que dans le menu de F1 2021, il reconnaît tout, c'est-à-dire que j'ai reparamétré accélérateur, frein et direction avec le volant. Il les a reconnus, mais le problème vient d'ailleurs. Et lorsque je cherche des pilotes Thrustmaster, bah tout simplement, j'en trouve pas du côté de chez Linux, c'est un peu compliqué. Donc ça va peut-être évoluer. Moi-même, je vais peut-être trouver un moyen alternatif, mais là, aujourd'hui, acheter un Steam Deck en ayant pour idée première, en tout cas comme but, d'y brancher un volant, c'est comme vous voulez, hein, mais vous allez vous retrouver avec un volant... Vous avez l'impression de jouer avec un volant cheap, un volant sans vibration, vous savez, à l'ancienne, avec juste un élastique. Pas de vibration, pas de retour de force. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. J'ai quand même l'impression, ouais, que... On l'entend, que je peux régler l'accélération. Donc, l'analogie fonctionne. Quand je regarde, par contre, on va regarder quelque chose. Si on me laisse le regarder. En fait, ce que j'essaye de voir, c'est est-ce que il y a moyen... faire ça va me permettre de voir en fait le volant. Je veux voir en fait la réaction du volant par rapport à moi, ce que je fais. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. Et du coup, on va se mettre sur le côté et on va regarder ça, et je vais vous dire en fait, comme ça on va pouvoir vérifier. Ah ouais, non mais là ça va pas être possible. Pour avoir ça, en fait, vous voyez, vous, un demi-tour. C'est simple, hein. À l'envers, à l'endroit, il se retrouve à l'envers, vous voyez un demi-tour. Moi, je fais un tour complet. C'est-à-dire que là, je fais un tour complet et hop, là, je suis de nouveau à l'endroit. Et pour aller là, je vais au-delà d'un tour complet. Donc, c'est pas du tout calibré. En même temps, ça peut se comprendre quand on sait que il n'y a rien de reconnu. Je vais malgré tout retourner dans les paramètres pour essayer d'en savoir un petit peu plus, notamment sur le retour de force. Donc vous voyez là, j'ai paramétré les configurations pour le T300. Ça, ce sont mes commandes classiques du Steam Deck. On va voir ce qu'on peut modifier là-dedans. Et on va voir si on peut faire une calibration. Vous voyez, c'est particulier, hein. Il voit un volant, mais j'ai l'impression qu'il le voit en simple pad. Et du coup, ça pose problème
pour un certain nombre de choses, sachant qu'en plus les vibrations, je pense, d'un pad ne sont pas comprises pareilles que les vibrations d'un volant. Donc il y a des chances que mes vibrations ne soient pas reconnues et que le reste soit reconnu, mais comme un pad, avec de l'analogique. Mais le reste, je suis assez sceptique. Retour de force activé. Donc voilà. C'est malheureusement la triste réalité. Je déconseille à quelqu'un qui est fan de jeux de course et de jeux avec le volant de prendre le Steam Deck pour cette raison. Prenez-le, mais pas pour cette raison, vous allez être déçu. Enfin, pour moi, là, c'est... Après, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne parle que pour les utilisateurs de Thrustmaster. Et je pense qu'il y a une possibilité que sur Internet, il y ait des moyens détournés du téléchargement de fichiers. Il y a une grosse communauté. Mais vous savez ce que ça veut dire. Il va falloir mettre les mains dedans si vous voulez vraiment le rendre compatible et ne pas hésiter à aller chercher les infos, voire sur des sites étrangers. Moi, personnellement, je pense que je vais me contenter de Windows. Après, Windows en double boot ou Windows installable sur le Steam Deck, sur le disque dur, je crois savoir que Valve continue de travailler dessus. Personnellement, moi, je trouve un petit peu ça bizarre. Je sais que Valve a pour but d'ouvrir la console au maximum, mais je pense qu'en ouvrant la console à Windows, En fait, ils vont perdre du chiffre, forcément. Aujourd'hui, les joueurs sont obligés de dépenser sur Steam, alors qu'il y a beaucoup de jeux, notamment les jeux Windows qui sont présents sur Steam. Je pense que c'est un atout. C'est un atout aussi pour prendre de l'importance face à Microsoft, lui montrer que voilà, les jeux sont achetés sur Steam également. Pour la raison du Steam Deck, si vous commencez à rendre Windows parfaitement compatible et installable en dual boot avec SteamOS, vous vous tirez un peu une balle dans le pied pour ça, mais aussi pour le reste. Il y a pas mal de jeux GOG, il y a pas mal de jeux Epic qui sont présents également sur Steam, et où aujourd'hui, si vous voulez y jouer sur Steam Deck, vous allez les prendre sur Steam. Si au demain, je peux installer Windows en dual boot avec SteamOS, il y aura forcément, alors là c'est clair, il y aura forcément moins de dépenses chez Steam qu'actuellement. Forcément. Si je peux aller au Windows Store, si je peux aller sur Rockstar, si je peux aller sur Ubisoft en direct, ou même sur EA Origin, Epic ou GOG, bah, j'irai sur Steam quand il y a besoin d'aller sur Steam, mais... Pas tout le temps, pas systématiquement. Et forcément, cet argent-là, il ne l'aura pas. Donc c'est pour ça que je trouve l'envie d'ouvrir la console, et quand ils disent qu'ils sont en train de développer pour la rendre compatible en dual boot avec Windows et qu'ils continuent de travailler dessus, je ne sais pas à quel point c'est vrai, je ne sais pas à quel point c'est une priorité chez eux. Peut-être que ça l'est réellement. Moi, je trouve juste ça bizarre, économiquement parlant. Par rapport au modèle économique, même si je sais qu'on n'est pas chez Nintendo et que la console est destinée à être ouverte, ça me paraît bizarre ce manque à gagner. Voilà. Bon. En tout cas, je voulais vous faire cette petite vidéo pour expliquer que c'est compliqué. Pour jouer avec un volant, c'est compliqué. Sur un des jeux les plus simples pour configurer un volant. F1 2021, moi j'ai une configuration au pad, j'ai une configuration au Steam Deck, j'ai une configuration au volant lorsque je joue sur Windows, par Steam, mais sur Windows. Donc il reconnaît tout. Moi je suis allé juste reparamétrer pour être sûr qu'il voit bien
qui me voit bien, je suis juste allé reparamétrer l'accélération, le freinage et les directions, mais autrement, il reconnaît. C'est juste qu'il est reconnu comme une manette, j'ai l'impression. Pas de retour de force, même pas de vibration. Et l'analogie, je ne sais pas comment dire, ne comptez pas sur les 900 degrés du volant, ça ne le fait pas. Je pense qu'il faudra, pour vous, mettre les mains dans Linux et dans la communauté pour chercher l'info, voire chercher les fichiers manquants. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question qu'on me posait. J'espère que ça en a aidé d'autres aussi, s'ils se posaient la même question. J'espère pour ceux qui ont un Logitech qu'ils trouveront la réponse ailleurs. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo du Steam Deck lorsque j'aurai résolu mes soucis de boîtier d'acquisition. On va enfin peut-être pouvoir faire une vidéo sur le mode bureau. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous serez comme ça notifié lorsque la vidéo sortira. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci et ciao.